si vous voulez les 300 dollars, il faut me mener à la banque parce que j'ai rien sur moi. Il faut que je vous mène où? À la banque, là où on retire d'argent. Allez, montez tous, j'emmène des clients avant. Enfin. Attention. Bon, excusez-moi, si vous messieurs. Vous me kidnappez, Ouais, pas de soucis, nous sommes toujours les mêmes. Hein. Comment vous avez peur que je vous kidnappe, monsieur? Bah oui, on sait jamais. Ah oui, oui. Avec deux clients derrière, c'est un peu compliqué, non mais. Ouais, on sait jamais. De toute façon, tu diras rien, n'est-ce pas, Parkinson? Bon, je vous emmène. Non, messieurs, je sais plus. Ok. Pour rien. Bon, bah, suite au problème, la course sera gratuite pour vous. Merci, ton GPS, merci. Mon cousin. Il n'y a pas de soucis. C'est moi qui régale. De la police. Oui, bonsoir, monsieur. Je me présente, je m'appelle Monsieur Myers et j'aimerais des renseignements pour un service en fait pour un mariage si vous louez, enfin si vous avez un service limousine ou. Ah c'est intéressant ça. Est-ce que vous pouvez envoyer un email à Monsieur Johnson McGillagan à @discord.gg monsieur. Ok très bien, je vous donnerai mes informations. Voilà, donnez toutes vos informations et je reviens vers vous très très vite. Très bien, bonne ça soirée. Très intéressant, bonne soirée monsieur. Pas de soucis, au revoir. Bon je vous dépose où? À une banque? Allez, à une banque. Amenez-moi à la banque côté du concessionnaire s'il vous plaît. Ça après moi je parle direct au PDP. Très bien. Ça vous va 400 dollars pour tout alors? Les courses et C'est 300. Non, c'est les réparations 300 monsieur. Effectivement. Oui, effectivement. Effectivement. Ouais, moi j'ai pas demandé de course. Ah bon? Et c'est qui vous emmène à la banque, le pape? Je vous facture 100 pour les courses et 300 pour les dommages. 300. Messieurs, 350. Je viens de faire une course gratuite pour 350. Deux clients. 350. Ok. Est-ce que vous voulez descendre de ce véhicule un jour en vie? C'est des menaces. Totalement. C'est des menaces. Totalement. D'accord. Est-ce que vous abusez de vos fonctions, monsieur? Je suis pas en fonction. Eh ben justement. Je sais pas en fonction, je vois pas de quoi vous parlez là par contre. On est arrivé par contre. Ouais, je sais. Alors, ma carte bancaire, où est-ce que j'ai foutu celle-là? Hop là. Allez. Vos 300 dollars. Vous avez dit 350. Allez, c'est une facture de 50. Voilà, c'est dans votre poche. Oh, pas de soucis, je vais pas payer. Si, vous allez la payer, monsieur. Ah non, je vous assure que. C'est pour toutes les courses, messieurs, arrêtez s'il vous plaît, n'abusez pas. C'est 50 dollars, monsieur. Payez ces courses. Donc, allez, moi. J'ai une société à faire vivre. Hein. D'accord, demain, moi. Je transporte généreusement quelqu'un pour que on fasse un truc. Et monsieur, moi, vous avez dit devant cette dame et ce. Oui, ce je l'ai. Attendez, j'ai dit que je vous payez leur course, on est d'accord. Je paye à Kelly. Et vous avez. Et vous. Voilà, bah Kelly, bah c'est 50 dollars, s'il vous plaît. Bah c'est bien, c'est 50. Et les 50 autres, c'est de l'autre. Non, c'est 50 dollars pour les courses. Là, vous avez réparé les réparations. Bah, 50 dollars pour les courses, c'est bien ce qu'on dit. Vous avez réparé. Vous envoyez vous-même, là. Monsieur, vous jouez avec mes nerfs. Vous pouvez avec vous, madame, monsieur. Monsieur, 50 dollars en facture, s'il vous plaît, c'est pour le bien de la société. Au pire, c'est pas perdu. Vous avez bien vu que c'est une facture que je vous ai dressée. Je vous ai pas demandé de l'argent, monsieur. Il y a pas de magouille. Les balles sont dans le mal. Vous sentez? On les avait jamais vus sur le point, et d'un coup, ils sont sur le point. Non, ça sent pas l'arnaque, non. Surtout pas de moi, pas. Ah bah, monsieur. Surtout pas de vous. Attendez, on m'appelle. Regardez la facture et vous verrez qu'il y aura écrit. Mais non, je vois bien. Il y a aucune raison d'arnaquer, monsieur. Un client est un client. J'ai envie de vous revoir. Mais vous inquiétez pas, y'a pas besoin de ça, mais J'ai transporté, écoutez, 300 dollars c'était les réparations. 100 dollars c'était compris. Pour transporter 3 personnes. C'est pas parce que vous allez me répéter 30 fois que je vais me comprendre, j'ai bien compris. S'il vous plaît, 50 dollars, on n'en parle plus et je vous dépose où vous voulez, mais si on n'en parle plus, s'il vous plaît. J'aimerais bien avancer, j'ai une grosse journée. Et vous pouvez y aller, c'est vous qui vous restez. J'attends le reçu de la facture, monsieur. Je vais pas payer. Monsieur, allez, s'il vous plaît. Ouais, c'était 300 pour le véhicule. Déjà, j'ai donné 50 100 dollars pour les courses, monsieur. Déjà, ça, j'ai donné. Je vous l'ai dit. Déjà, j'ai donné 50 en plus. C'était 300. Si vous voulez pas vos 300 dollars, vous m'aurez pas amené. C'est pas grave. Ok, comment vous appelez, monsieur? 78. Ouais, nom, prénom. 78. 78. Je dois aller donc voir votre commandant pour lui demander. Bah, allez-y. D'accord. Donc vous êtes sûr, vous voulez pas payer 50 dollars? Vous savez pas dans quoi vous allez à ne pas payer 50 dollars, mais vous êtes sûr? Y a pas de soucis. D'accord. Vous vous ennuyez dans la vie, monsieur? Pas du tout. D'accord. Vous allez avoir un emploi du temps chargé. Allez, passez une bonne journée, monsieur. Allez, bonne journée. Y'a la menace, hein. Y'a pas de soucis. Y'a aucune menace, vous inquiétez pas. Bon, si vous voulez sortir de la voiture, vous inquiétez pas, j'ai très bien noté. Vous inquiétez pas. On verra si le commandant est d'accord avec ça. Justement, monsieur. Je vais aller lui parler à votre commandant, vous inquiétez pas. Y'a pas de soucis. On se reverra très vite, monsieur. Bon, j'ai eu quelques ennuis avec un policier 78, ça vous dit quelque chose, avec un accent du sud, blond. Ouais, c'est le copain de 13. Ouais, bah je vais le désinguer lui. Hein. Ok. Il refuse de payer une putain de facture de 50 balles. Hein. Pourquoi? Parce que sous prétexte que c'est lui qui décide des prix maintenant, apparemment. Donc je vais porter plainte. Vous l'avez en taxi, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc là, j'ai porté plainte et je vais voir combien je peux en tirer. Ok, bien. Et sinon, je l'enferme dans une cave et je lui nique sa mère. Oui, c'est ce que je vais faire. En plus, il t'a donné 350. Mais non, mais là, je l'ai. Non, il a voulu faire le malin sur le parking. Ouais, bah donnez-moi 300. Non, parce que eux, faut savoir que je les ai escroqués deux fois de suite. Chose. Oui, bonjour monsieur, j'aimerais parler au commandant, s'il vous plaît. Il pense actuellement. Eh ben, je vais attendre. Et il est pas là ce soir du tout.
Eh ben j'attendrai. Eh ben pas de soucis, t'as ajouté. Attention côté Belize, mal de crâne répétitif. Ok, bien prêt. C'est dit pour dispatch. Bonsoir. Bonsoir monsieur, est-ce que votre commandant est là s'il vous plaît? Ouais. Non, il est pas là. Commandant ou capitaine? Il est pas en radio. D'accord. Et ben je vais attendre. Très bien, c'est pourquoi? C'est pour porter plainte contre ce monsieur. Qui veut pas se plier au tarif du service taxi. Pour 50$. Ouais, vous avez bien entendu, 50$. Comme si vous gagniez pas. Monsieur, si vous voulez porter plainte, déjà, c'est pas ici. Hein. Alors, attendez. Ah, c'est où? Alors, oh là là. Monsieur Magalgan, qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous avez un monsieur Magalgan. Il veut porter plainte contre moi. Alors, vous voulez porter plainte contre qui? Contre ce monsieur, 78. Alors, pourquoi? Parce qu'il a pas. Il paye pas les factures qui sont adressées au service taxi. Il estime que c'est trop cher ou je ne sais quoi. 50$. On parle bien de 50$. C'est trop cher, c'est juste que vous. Mais attendez, vous avez. J'ai des clients témoins. Il a dit qu'il payait pour eux, je les ai déposés gratuitement. Au moment de payer, je lui ai adressé une facture de 50$, il veut pas les payer. Et pourquoi, vous avez mis une facture de 50$? Mais parce qu'il était dans la voiture avec les clients. Alors attendez, vous avez demandé, je me rappelle, vous avez réclamé 300$. Et voilà avec moi. Bizarrement, non, c'est les réparations, ça, confondez pas tout. Dites-moi, ils sont souvent arnaqués dans ce commissariat ou. Non, ça du tout. Il y a des gens arrivés en ville. Ah, vous venez d'arriver? Voilà, dites-moi tout. La personne en bas là, 78 il me semble, non? Me semble-t-il, avec l'accent marseillais, qui était juste en bas là. Ah oui, je vois c'est qui. Mais... Voilà. Bah, j'aimerais déposer une plainte parce que je lui ai adressé une facture de 50$. Il a dit dans le véhicule qu'il paierait pour les clients, donc les clients je les ai déposés gratuitement. D'accord. Et au moment de lui dresser sa facture, je lui donne la facture et il refuse de la payer. D'accord, puis vous voulez que je vous fassiez la facture et je vous la paye, comme ça au moins vous n'en faites plus rien. Bah, je suis supérieur, c'est pas moi. Faire ça à lui, monsieur. Vous imaginez si tout le monde commence à faire ça? Surtout venant de l'ordre, c'est quand même gênant, vous voyez ce que je veux dire? Des policiers qui payent pas des factures, on parle pas de 500$. Tu pourras venir me chercher. Ouais, je me doute, mais bon, voilà. Je suis en parking. Bon, bah, vraiment, si vous voulez qu'on s'arrange comme ça, y'a pas de soucis. On peut payer tout si vous voulez, ça me dérange pas. Comme ça, au moins, ça vous donnera tout un petit truc en plus. Monsieur, vous êtes bien trop gentil avec ces gens. Ouais, je sais. Ouais, je voulais vous payer ça tout de suite. Vous prenez pas mes pages, c'est ça? Vous faites pas marcher dessus par ces gens-là, même si c'est vos collègues. Ah non, mais c'était pas, c'est mes agents, je suis au-dessus d'eux, donc je vais garder mes factures dans mes poches, voilà. Merci beaucoup, monsieur, en tout cas. Y'a pas de problème, là, j'ai l'occasionné, en tout cas. Ouais, y'a pas de soucis, désolé pour vous, en tout cas, essayez de vous faire rembourser par votre commandant. Ouais, c'est ce que je vais faire, vous inquiétez pas. Merci, moi je vous suis parce qu'ici, je me perds toujours. Mais y'a pas de problème, allez, suivez-moi. Hop, ça c'est carotte, hein. Allez, passez une bonne journée, en tout cas. Merci à vous aussi. Bah voilà, lui, il était gentil, on est réglo. Est-ce que des gens peuvent s'occuper de toutes les courses? Y'a eu au moins 6 demandes de courses. J'arrive, tu peux m'envoyer tes coordonnées? Ouais. On a personne en taxi là? Non, négatif, je suis dans le nord. Je sais pas, on devrait mettre une radio en place pour les employés, pour qu'on puisse voir. Ouais, une radio en ligne. Ouais, on va le faire, on va le faire. Attends, t'es bien dans le véhicule avec moi? Oh putain de merde. Mais je déconne, je suis là. Oh mais putain. Ah, je vais être pas une blague. Ah, tu fais chier. T'es un grand blagueur, toi. Je t'ai déjà dit que j'avais fait du stand-up. Ah, stand-up? Bah, j'ai pas percé. Ah ouais, je comprends, ouais. C'est étrange, mais je suis pas étonné, en fait. J'avais fini dans le trafic d'armes et de drogue, finalement. Ouais, ça marche mieux. Ouais, bah oui, je me doute bien. Ah, bah t'as essayé, hein, on peut pas t'en vouloir, hein. Ouais, bah ouais. On va faire une petite sieste. Moi, tu sais ce que je te conseille de faire? Oui. Redémarrer ton matos, tu sais, le cerveau, tout ça. Oh ouais. Putain, j'avais oublié que j'avais fait les événements. Bah, tu t'occuperas des recrutements. Un peu comme ça, en fait. C'est vrai que j'ai oublié, moi aussi. Un peu comme ça, oui. On arrive, okay. Messieurs dames. C'est bon, t'es plus là? Ah, je crois que c'est le pas gros. Certainement, la dernière fois, c'est lui que j'avais vu aussi. On arrive. Oh putain, je sais pas. Bon bref, la personne arrive, elle a juste un petit problème. Y'a pas de soucis. Ok, très bien. Allez, à tantôt. Service, taxi. Bon, je reviens, je vais redémarrer. Oui, hello, bonjour. Oui, bonjour monsieur, toujours besoin d'un taxi pour 3? Toujours besoin, oui. Eh ben j'arrive. Très bien, super. Pour tous ceux qui travaillent au service taxi, il va falloir qu'on embauche des gens pour travailler quand on est en OP wall parce que c'est infernal, je suis tout seul, c'est terrible. Je suis débordé là. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Allez-y, montez, je vous emmène où? Parking central, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. C'est bon, vous êtes tous attachés? On est tous attachés, ouais. Ça se passe bien, la raffinerie, messieurs? Oh, ça va, ouais. Il y a un nouveau directeur, hein. C'est l'un d'entre vous? Ouais, tout à fait, ouais. Ah, vous êtes directeur? Ouais, tout à fait, ouais. D'accord, et ça se passe bien, ça, la reprise Ouais, les terrestres sont corrects. Pourtant, c'est que tout le monde trouve bonheur à sa porte, comme on dit. Et y a plus d'explosion, y a plus de danger? Oh non, j'en ai jamais vu. Ah bah tant mieux, bah ça se règle bien alors. Je vois que l'État est à l'écoute, ça fait plaisir. Eh ben, y a la police un peu partout ces temps-ci là. Vous savez ce qui se passe en ville ou vous en avez aucune idée? Ah, je joue au cowboy, je pense. Ah ça? Non, je sais pas ce qui se passe en ville. Vous savez, mais moi je peux pas faire mon boulot tranquille. Ah? Ouais, sous prétexte qu'apparemment je drifterai quand je tourne avec mon véhicule. Vous l'avez dit que c'était le talent, ça plutôt? Bah ouais, mais bon, apparemment ils comprennent pas bien.
Oh, c'est la jalousie, mais ils peuvent pas s'empêcher d'arrêter toutes les voitures. Vous savez, c'est bizarre, hein, parce que la police arrête pas toutes les voitures. Hein. Oh, moi, j'ai jamais trop été arrêté. Ah, c'est vrai. Vous avez de la chance. Oh, ouais. Mais vous avez un véhicule au moins? Ouais, tout à fait. Bah, j'étais dans votre taxi. Hein. Ouais, je me souviens bien. Voilà, regardez ces gens qui courent partout. Putain, ah, c'est... oui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, attendez, je fais faire tout le tour parce qu'il y a la police. C'est pas le moment de déconner. Je vous dépose où? Plus à l'entrée? Oh, ici, ce sera bien. C'est vous qui paye, pas. Messieurs? Ouais, c'est moi. Bon, je vous fais un tarif de groupe, évidemment. Ouais, tout à fait. Voilà, 150 pour vous trois, ça me paraît raisonnable, messieurs. Tenez, ah, c'est gentil, merci. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Bonne journée, messieurs. Merci, vous aussi. Bonne soirée, merci. Super, bonne journée. Ici, radio, il paraît qu'il y aura un taxi abandonné. Est-ce qu'il appartient à l'un d'entre vous? Radio. Radio, taxi. Je crois que personne t'aime. Allô. Oui, bonjour, le taxi est toujours là-haut? Ouais, il est devant le garage, on l'a ramassé en plein milieu de la roue. Ah, je crois savoir à qui il est, la personne va revenir, elle a eu un mal de crâne. Ok, pas de soucis, de toute façon, il est là, ils vont... Super, est-ce que vous avez possibilité de le mettre... Oh putain, est-ce que quelqu'un peut l'amener ou pas au service taxi ou c'est trop compliqué? Là ça va être compliqué, là j'ai des appels de partout. Ouais, je me doute, c'est le bordel pour nous aussi. Ouais. Ok, bah gardez-le en sécurité et puis on viendra récupérer plus tard. Ça marche, il est là, il bouge pas de soucis. Merci. Allez. Besoin de vous, s'il vous plaît, j'annule le taxi. Non, bah, frère... Ok. Bon, messieurs, il se passe quelque chose dans cette putain de radio ou pas, par contre? On attend encore beaucoup de monde, là, pour la demande de... Pour les femmes. Allô. Bonjour, vous avez toujours besoin de taxi, monsieur? Truc de femme, oui, j'ai toujours besoin d'un taxi. Eh ben, j'arrive de ce pas. D'accord, merci. What? Messieurs, on peut m'expliquer ce qui se passe? Messieurs, je commence à être débordé, je vais avoir besoin d'aide, là, vraiment. Saphir, est-ce que t'es disponible? Cobalt. Oh, putain, je suis à deux doigts de bouillard. Je comprends pas, hein, je comprends rien. Ambre, est-ce que t'es là? Oh, attendez, j'arrive, on m'appelle. M'appelez, qu'est-ce qu'il y a, messieurs? Je veux savoir ce qui se passe parce que j'arrive pas à joindre Emmanuel. Là, je... Ah, je sais pas, je suis tout seul, là. Je suis tout seul, je suis avec Kelly, un certain Lion, okay. Un certain William, une Roxanne... Jameson, ils branlent quoi? Des gitans. Je crois qu'ils sont BCSO, eux. Et ils font quoi, là-bas? Grey, Black et Jameson. Ils sont, bah, je sais, bah, pour l'affaire de Grey et de Rosso. De okay, Rosso et de Black, ils sont... Vous avez des nouvelles d'Emmanuel? Non, aucune. Ah putain, c'est pas... Les gars, je peux pas m'en sortir. Et un poison? J'en ai entretien, tu l'as dit. T'es en entretien? Bah ouais, mais les gars, Emmanuel, il a disparu. Hein. Ok, très bien. Fin de transmission, messieurs. Et je suis débordé, sa mère, je suis tout seul à faire les bails. Un mec qui m'appelle 10 km de course, lui, il va racler. Ah ouais, il va y avoir la BCSO, je vais me taper un contrôle en plus. C'est sûr. Pink, pour radio... Johnson, est-ce que tu me reçois? Short de la BCSO, Ok, attendez, j'ai un appel. Attends, j'arrive, Oui, allô. Il y a Medfield qui a essayé de m'appeler, mais... Oui, allô. Allô. Ah, enfin, je vous entends, bordel. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous appelle, c'est pour que vous veniez me facturer la course de taxi, monsieur McGarrigan. Vous pouvez aller au service de taxi ou pas? Monsieur Mo va vous facturer. Je suis au journal, là, monsieur McGarrigan, j'ai des clients. Bah, dans ces cas-là, ça sera un petit peu plus tard. D'accord. Je vous rappelle tout à l'heure. Pas de soucis. À très vite. Ah, ici radio, tu voulais quoi, Poison? Tu vas devoir t'occuper des personnes pour entretien. Moi, ils me voient pas, ça continue, ça. Même en démarrant tout le bateau, ça change pas, du coup, je rentre à l'hôtel. Vas-y, tu leur as dit que j'arrivais ou pas? Non, je suis barré. Ah, d'accord. Bon, bah, vas-y, je vais y aller après. Messieurs, est-ce que quelqu'un peut avoir des nouvelles, s'il vous plaît, de Saphir? Ça serait pas mal. Il répond nulle part. Ah, excusez-moi, j'y vais. Hein. C'était quoi sa dernière position? Ah, bonjour, monsieur, Cobalt. Vous êtes le taxi? Bon, voilà. Oui, bonsoir. C'est ça, monsieur. Ah, d'accord, bah, je monte. Allez-y, je vous emmène où? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Dans le centre-ville, c'est pour savoir nouvelle de toi. Si le patron des taxis recrute encore, parce qu'il y a tes collègues de l'hôpital qui viennent de me réveiller d'un coma. À l'entretien, s'il vous plaît. Alors pour l'instant, justement, ça recrute pas, mais tout va bien. Mais il y aura des recrutements bientôt, on a quelques problèmes avec le co-directeur. Vous voulez aller ailleurs ou pas? Non, je me suis fait tabasser la gueule par un gars en tracteur dans le nord. Du pôle emploi, s'il vous plaît, je voudrais changer de métier. Très bien, mettez-le s'il vous plaît sur le tracteur, il m'a mis trois patates, j'étais KO. Tu veux que je vienne te chercher? Non, c'est bon, je suis de nouveau sur la moto, je vais déposer une plainte au BCSO. Je dois être assez loin de là où vous étiez. Wow! C'est sûr que c'est pas à côté. Non, c'est rien, c'est de l'hallucination, monsieur, vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais, je connais le métier. Ça, par contre, c'est pas une putain d'allure. Ah putain. Vous inquiétez pas, monsieur. Restez accrochés, mettez votre ceinture, tout va bien se passer. Ah, monsieur. Mais c'est sûr que c'est pas à côté en tout cas. Hein. Sachez que j'ai pas trouvé comment on met la ceinture dans cette ville. C'est normal, elle se met automatiquement. Mais vous savez, monsieur, on est en 2019, ça va vite, hein, la technologie. Ah, j'ai déjà pris le taxi une fois, et c'est ce qui me semblait. On m'avait dit, c'est ceinture du futur. J'y croyais pas, mais. Non, en fait, c'est un magnétisme. C'est-à-dire, dès qu'on prend Chine,
une certaine vitesse. La ceinture, vous la collez en magnétisme et après, ça, c'est du solide, hein, c'est du béton, ça bouge pas. Ça, c'est bien aimanté, c'est dégraissement 1500 kilos. Vous voulez qu'on ait un accident pour voir? Non, ça va aller, je vous fais content. Vous me dites, moi, y'a pas de soucis, regardez, on peut aller dans l'eau, par exemple. Non, monsieur. C'est mon deuxième jour en vie, je voudrais pas qu'il m'arrive à m'arrêter. Attendez, oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, ici Chéri Bellamy à l'appareil. Vous allez bien, monsieur Balkany? Bellamy, monsieur. Ah, excusez-moi. Oui, je vous appelle parce que je suis avec un de vos employés, là, monsieur Wolfstadt. Très bien. Est-ce que vous êtes au courant que monsieur Wolfstadt fait des courses de taxi en n'étant pas dans son véhicule de service, donc avec un véhicule qui n'est pas homologué? Ah non, vous venez de m'apprendre quelque chose. Voilà, donc vous êtes bien au courant que c'est illégal de faire ça. Bien sûr, bah, il sera sanctionné, il n'aura pas la prime de fin d'année, c'est sûr. D'accord, très bien. Donc le souci, c'est que moi, de mon côté, je pourrais prendre des sanctions vis-à-vis de lui aussi, notamment vis-à-vis de sa licence de taxi. Bon, attendez, vous allez pas virer un homme, monsieur, il a besoin d'argent quand même pour vivre. Il y a un petit peu de pitié, quand même. On parle pas d'un crime. Il y aurait un crime, je dis pas, monsieur, je dis pas. Vous faites votre boulot et c'est bien normal. Mais il y a un petit peu de pitié pour cet homme, tout de même. Ok, eh ben, on va voir ça. Il sera sanctionné comme il faut, mais il y a au moins un petit peu de pitié. Ok, on va voir ça avec lui. Merci d'avoir répondu, monsieur McGallaghan, vous aurez pas plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Dieu vous le rendra, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Excusez-moi, c'était le shérif pour un employé taxi. Ouais, justement, je sais pas si c'est lui qui m'a arrêté, mais apparemment, les voitures, c'est précieux dans cette ville, hein. Oh là, c'est vrai que c'est... Allez pas trop dans le nord, hein. Ils sont très, 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 très exigeants, hein. Permettez-moi de vous expliquer un peu ma petite histoire, c'est que j'ai pris l'avion pour venir en ville, comme d'habitude. Bien sûr. Et mon avion m'a déposé juste à côté du BCSO. J'ai fait « Ah, d'accord, qu'est-ce que je fais là ?» Donc j'appelle un taxi, et je vois que aucun taxi me contacte. Bon, je dis « Les taxis ne doivent pas être disponibles. » C'est ça. Je dis « Oui, bon, indisponibilité, ça arrive. » Je dis « Bon, on va essayer d'emprunter un petit véhicule. » Bien sûr. Certes, c'est peut-être illégal, mais bon, toute discrétion, ça aurait pu le faire. Ouais, apparemment, ils avaient un radar qui capte les véhicules volés. Ah, c'est 2019, bientôt 2020. Bah oui, bah on est en 2019. Quand vous volez un véhicule, il y a un signal GPS qui est envoyé par le véhicule. Ouais, bah je savais pas, nouvelle Merco, tout ça, je me suis dit... Ah mais monsieur, si on pouvait voler tous des Mercedes, il n'y aurait pas de service taxi. Ah mais je me suis dit, bon, parfois je vais pouvoir aller... J'ai vu sur le site taxi qu'il y avait des entretiens à 22h30. Ouais, bon, mais malheureusement, il y a des gens qui attendent, c'est un petit peu le bordel. D'ailleurs, je vais devoir y aller aux entretiens là. Mais dès qu'il y a une place, il n'y a pas de souci, je repasserai dans le service pour l'emploi une petite annonce, monsieur. Ça marche ? D'accord, ça marche. Vous êtes nouveau en ville, je vais vous faire une petite facture parce que ça, normalement, je peux vous dire que ça coûte cher. Allez-y, descendez, monsieur. Je me suis pris une amende de 2000$ en plus, chef. Ah bah oui, mais faut pas voler de Mercedes, monsieur. Allez, faites attention à vous, hein. Merci. Hein. Et c'est comment votre prénom à vous, monsieur ? C'est monsieur McGallaghan. Ah, c'est vous, monsieur McGonagall ? Oui, c'est ça. Ah, bah enchanté de vous rencontrer, monsieur patron. La société de taxi qui recrute, mais qui est occupé. Bon, je vous laisse, monsieur. Bonne journée. Pas de soucis. Au revoir. T'es là ou pas, Cobalt? J'ai besoin de toi. Oui, à propos de quoi, seigneur? Il y a Black qui s'est fait arrêter par le shérif. Ouais, je suis au BCSO, là. Ouais, le shérif, comme une bonne salope, il voulait lui retirer la licence taxi. Ah bon? Ouais, il voulait carrément l'empêcher de faire son métier et tout. Donc j'ai fait genre, il avait une famille et tout, que ça se faisait pas et tout. J'ai l'impression que le shérif, il commence à partir en couille. Hein. Moi, je les ai couverts pour la voiture, mais c'est tout ce que je peux faire. Hein. Mais ils sont occupés pour quoi ? Non, mais c'est bon, il va pas lui retirer la licence, parce que j'ai pleuré, entre guillemets, en lui disant que ça se fait pas de retirer le métier d'un homme qui a une famille. Mais, ils sont occupés pour quoi ? Pour de la merde, en plus. Parce qu'apparemment, Black, il a été en service avec une voiture pas de fonction. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Bah ouais, je sais pas pourquoi il a dit ça. Il a dû dire pour se couvrir qu'il était en service, mais vu que c'était pas une voiture de fonction, bah il a pas le droit. Ok, d'accord. Donc là, on attend sa sortie du BCSO. J'espère, normalement, il lui retire pas la licence. Ok, très bien. Il va falloir s'occuper du shérif. Hein. Sans souci. Il fait un peu trop le malin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel au niveau service taxi ? Cobalt, j'ai besoin de toi. Pourquoi ? Tu peux aller récupérer le taxi, s'il te plaît, qui est au garage et le ramener. Quel garage ? Au Bénise. Y a pas des problèmes de migraine là-bas ?
Non, j'y suis là. Monsieur, attendez, bougez pas. Il okay. Y a juste un taxi qui attend au Bénise. Est-ce que quelqu'un peut le récupérer, s'il vous plaît? Il est encore sur le camion, le taxi. Hein. Voilà. Non, mais on peut le récupérer, justement. J'ai un appel. Tu t'en occupes ou pas Je suis au BCSO, là. Il n'y a pas quelqu'un de plus près? Eh ben non, il n'y a personne. Ok, ok. Bonsoir, monsieur, c'est pour les entretiens? Oui. Malheureusement, on a eu un petit problème avec le co-directeur. Il a eu des sacrés mal de tête. Donc, il a annulé les entretiens. On relance ça très vite. D'accord, ok. Du coup, je suis prioritaire, non? Du coup, non, parce qu'il y avait deux personnes qui attendaient pendant une heure. Ouais, c'est moi. Et une dame avec vous, non? Ouais, je peux vous donner ses coordonnées si vous voulez, parce qu'elle vient de partir. Ah bah, elle est derrière vous. Regardez. C'est la dame qui est derrière vous. C'est une très belle voiture, ça. Vous avez vu ça un peu? Bonjour, ouais, monsieur. C'est une très belle voiture. Oui, comme je disais, le co-directeur a eu des gros soucis de mal de tête. Il a dû annuler la soirée. D'accord. Donc, on repostera un petit message à ce sujet-là dès que c'est disponible. Ça marche. On est d'accord, on est prioritaire. Vous êtes prioritaire, vous ferez les entretiens comme tout le monde. Mais oui, ouais. Vous serez prioritaire quand on vous verra. Parce qu'on est là, qu'on passe avant tout le monde. Non, mais... chacun sa chance. C'est vrai, voilà. Mais on est poireauté quand même. Mais oui, je suis désolé, que la mais dernière fois, c'était vous qui étiez en retard. La vie, c'est des imprévus aussi. Hein. Mais s'il faut envoyer des boulets. Hein. La vie, c'est des imprévus. C'est vrai. Mais vous serez prioritaire, vous inquiétez pas, on vous oublie pas. Bah, okay. J'espère bien. Merci. Allez. Et bah passez une bonne journée en tout cas. Bah merci à vous tout le temps. Au revoir. Bon, je vais récupérer le véhicule, je m'en occupe. Je m'en occupe, tu peux rester là-bas. Ok, d'accord. Ouais, bah j'étais en route, mais ok. Non, mais c'est bon, vas-y. Monsieur ? Oui ? Vous êtes le directeur ? Oui, monsieur. C'est moi qui vous ai appelé pour le mariage, là. Je suis en train de vous faire le mail, mais je me souviens plus à quel moment vous attendez, avez dit. Attendez, attendez, je relis deux fils, voilà. Oui, on a perdu les clés de contact. Oui, envoyez-moi le mail et puis je m'en occupe très très vite. Oui, mais je me souviens plus votre email. C'est monsieur Johnson McGallaghan. Ok, ça marche. Merci beaucoup. C'est bon. Ouais, bonne soirée. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, mais il y a la queue ou pour me parler? Excusez-moi de vous déranger. En fait, je viens d'être engagé au niveau du journal. Donc, je viens rendre visite un petit peu à tous les patrons de société pour déjà me présenter. Donc, Scott Crowe, enchanté. Enchanté monsieur. Je me présente McGallaghan. Directeur service taxi. Ah très bien, bah justement c'est vous que je voulais voir. Je vais vous serrer la main hein, du coup. On va faire ça bien. Tu sors du BCSO là hein? Comment allez-vous du coup? Ça va très bien et vous? Ah bah écoutez, moi je tout va très bien hein, depuis que j'ai été engagé. Du coup je viens pour savoir si tout se passe bien dans votre société ou si vous avez des petits soucis tout ça. Écoutez, tout va très très bien. Au contraire, il y a même trop de boulot pour être honnête avec vous. Ah d'accord. Patron, on est un peu en sueur mais tout va bien. Bon, moi vous êtes bien payé je pense. Oui. Plutôt bien payé. Oui, en tant que directeur, j'ai pas un plan. Hein. Okay. Oui, c'est ce que j'imagine. Ce qu'on peut faire, c'est que sur Twitter, j'ai mis mon numéro. Donc Scott Crowe, Monsieur Crowe, tout ça. Attends, si jamais vous avez un petit souci ou bien si jamais vous faites un petit événement ou quelque chose à publier dans le journal, vous pouvez très bien m'appeler. Hein. Très bien. Eh ben, on fait ça. Je vous appelle dès qu'il y a quelque chose. D'accord, très bien. Bon, une bonne journée à vous, Monsieur McGallaghan. Passez une bonne journée. Désolé pour l'attente, Monsieur. Il y a pas de souci. Hein. Je savais que vous étiez occupé. Désolé. En espérant que vous fassiez de bonnes articles. Pour cette ville. Ah bah c'est le but d'un journaliste. Hein. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Passez une bonne journée. Merci vous de même, monsieur McGonagall. Est-ce que vous avez pu récupérer notre ami qui est face au shérif? Non, négatif là, je rejoins Gray. Oh, salut Black. Ça va? Ça va. T'as gardé ta licence? Bah il l'a pas retiré pour l'instant, mais il veut voir avec le gouvernement pour me la retirer. Ah ouais. Et putain, je commence à casser les couilles celui-là. Non, mais on va s'en occuper. Bon, j'ai récupéré le taxi qui a été abandonné au Belize. Messieurs, par contre, là, ce soir, j'étais en sueur, j'aimerais de l'aide niveau taxi les prochains jours. Hein. J'espère qu'ils vont vite revenir, nos amis Souffre et Black, aussi. Parce que là, vous m'avez laissé tout seul toute la soirée, je vous cache pas que c'est la sueur. On est dans une sacrée merde avec le shérif, il va clairement falloir s'occuper de son cas. On a beau avoir essayé de sortir, enfin, on a sorti les meilleures excuses et les meilleures histoires avec Dink, et il ne nous croit toujours pas. Il pense que le véhicule était volé, ce qui était très clairement le cas, mais il n'a pas à le savoir. Et il n'a pas forcément cru dans l'histoire qu'on lui a sortie avec le garagiste et tout, Dink. Il faudra vraiment que le gouvernement soit très persuasif. De toute façon, j'ai envoyé un mail au gouvernement. Il est sur la route, il va lui expliquer. Donc, c'est réglé, point barre. Hein. Ouais, mais après, il sait, enfin, il pense et il sait qu'on couvre Black pour quelque chose. Et il veut nous faire tomber pour ça. Casse les couilles parce que les véhicules sont pas à notre nom. Mais c'est pas nos véhicules, ce sont les véhicules du journal. Oui, mais le problème, c'est que l'histoire qu'on a sortie avec Black, apparemment, n'a pas été totalement cohérente. Après, c'est votre problème, après. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais laissez tomber, il est éclaté, il est complètement obsédé. Et bah, les obsédés, on les descend. Moi, je vote pour l'exécution. Bon, un accident, c'est vite arrivé, hein. Absolument. Non, mais ça arrive, il est là, bon, il se prend un coup de fusil, ça arrive. Voilà, ça arrive. Oui, c'est ça. Tu as un cougar qui a un fusil. Ah, il y en a plein, hein. Désolé, parce que ce soir, j'ai des appels de partout.
touche, il peut vous donner de la tête. Ouais, mais c'est pareil, là c'est bon, ça te calme seulement. Ah, c'est terrible. Hein. Ouais, merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Pas de soucis. Vous avez toujours une cliente, elle a pas voulu partir. Oui, je comprends. Ouais, j'ai des bons clients dans cette ville. La petite dame, c'est cadeau. Et bah, merci beaucoup. Et je l'ai eu comme ça, je vous le rends comme ça. Ouais, y'a pas de soucis. Passez une bonne journée, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Ouais, je viens tout juste de récupérer le taxi, je le ramène à la base. Il y a toujours une cliente dedans. On cherche à me joindre. Vous continuez et finissez le traitement aujourd'hui ou pas, messieurs, qu'on s'en débarrasse et qu'on passe à la lampe j'ai du boulot, mais on a plus grand chose. Hein. Il reste que 200 de coke. Au pire, on peut les garder et on a déjà 220 à vendre. Ouais, mais faire les. Putain, si, ça serait bien qu'on finisse, qu'on en parle plus. Comme ça, après. Oh, bah là, on a fait les 1000 qu'on devait faire à la base, hein. Ouais, j'entends. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va déjà se débarrasser de ce qu'on a. Moi, j'ai du boulot, là, au journal. Et d'ailleurs, il y a le petit nouveau que vous avez embauché qui est venu. Bon, écoutez, demain, avant de faire la vente, on fait une grosse réunion pour discuter de. Et c'est quoi cette histoire de quelqu'un qui a manqué de perdre. Qui a manqué de plus travailler pour les taxis, je sais pas quoi, là. Non, mais c'est le shérif qui fout sa merde de ouf, là. Putain, il commence à me gonfler, ce chien. Hein. Ouais, bah, c'est bien, on va le fumer, c'est bien. On va faire une réunion. Ouais, on va devoir s'en occuper malheureusement. Bon, taxi, revenu à la base. Messieurs, je vais à l'hôtel. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très vite, ça roule. À demain. Très bien, bonne soirée, boss. Bonne soirée, messieurs.